tailleur. Bonjour à tous et bienvenue dans 432 Hz Couture. Dans cette vidéo, on va apprendre deux façons différentes de monter un col tailleur. Pour ce faire, on va utiliser cette pièce d'étude où on a juste isolé la partie col. Je vous ai mis un lien dans la description vidéo afin d'en récupérer le patronage. C'est imprimé au format A4. Je vous laisse donc vous munir de tissu. On se retrouve à l'atelier. C'est parti! Cette pièce d'étude comprend un dos et un dessus de col au pli tissu, un devant à couper deux fois, un empiècement dos et un dessus de col au pli tissu, un empiècement devant à couper deux fois. Voici à quoi va ressembler la pièce d'étude une fois finie. Un petit col tailleur avec une petite croisure. Pas besoin de prendre de notes, vous pouvez retrouver l'ensemble des schémas et explications dans le guide. On commence avec la première méthode, celle dite traditionnelle. On met le dessus et le dessous de col de côté, on va préparer les assemblages épaules. On positionne endroit contre endroit l'empiècement dos avec l'empiècement devant. On épingle les épaules pour fixer, le temps de passer à la machine à coudre. On assemble à 1 cm, point d'arrêt, début et fin de piqûre. On ouvre ensuite les coutures au fer à repasser. Les encolures sont formées, on va pouvoir préparer l'assemblage des cols. Pour différencier le dessous et le dessus de col, c'est facile. Le dessous est toujours plus petit que le dessus. Cela permet au col de mieux se former au porté. Mais ici, vous avez 4 crans supplémentaires sur le dessus de col, histoire d'être archi sûr de les différencier. On positionne donc le dos devant, l'endroit face à nous, puis on y place le dessous de col, son envers est face à nous. On s'aide d'écran pour le positionner, on épingle pour fixer. On fait attention à ce que la couture reste bien ouverte. Le cran sur le devant correspond à la jonction des deux parties du col tailleur, à cet angle. Pour créer cet angle, on va arrêter la couture 1 cm avant la fin du col, ce qui correspond au cran du devant. On place une épingle pour se faire un repère et ne pas oublier d'arrêter la couture à l'emplacement de l'épingle. On a de l'embut qui se crée naturellement sur la partie dos devant et c'est normal. Il faut juste bien le répartir. On fait de même pour la partie empiècement dos devant, son endroit est face à nous et l'on vient positionner endroit contre endroit le dessus de col. On s'aide d'écran et comme précédemment, on place une épingle 1 cm avant la fin du col, que l'on fait correspondre avec le cran de l'empiècement devant. On positionne ensuite l'aiguille dans l'empiècement de l'épingle. On assemble à 1 cm, point d'arrêt, début et fin de couture. On fait bien attention aux assemblages épaules, on veille à ce que la couture reste ouverte. On veille aussi à ne pas faire de plis sous l'aiguille en dirigeant à gauche ou à droite les plis du tissu, soit vers soi ou en les dégageant vers l'arrière.
on s'arrête bien 1 cm avant la fin du col, le dernier point doit être effectué au niveau de l'épingle. Point d'arrêt à ne pas oublier. On positionne ensuite les cols endroit contre endroit, on s'aide d'écran milieu pour ne pas se décaler, puis on épingle pour fixer. Le dernier point des précédents assemblages doit parfaitement coïncider. On couche les valeurs de couture vers le devant et l'empiècement devant. On s'aide d'une épingle pour vérifier que les coutures arrivent bien au même endroit. On fixe le temps de passer à la machine à coudre. C'est ici qu'il va falloir faire attention. On ne va pas démarrer la couture dans le dernier point de l'assemblage en colure, sinon le tissu n'aura pas d'aisance. Une fois fini, le tissu risque de tirailler et donner de légers plis. Pas très joli. On va donc piquer juste à côté, si c'est un tissu fin, soit à 1 demi-millimètre ou 1 voire 1,5 mm si c'est un tissu très épais. L'aiguille ne traverse que deux épaisseurs, le dessous et le dessus de col uniquement. Attention à bien dégager vers l'arrière les valeurs de couture, le devant et l'encolure devant pour ne pas mordre dessus. Point d'arrêt, puis on continue l'assemblage. Juste avant, je vous disais que le dessus de col est plus grand que le dessous de col. Vous avez donc 4 mm à résorber sur toute la longueur du col. Arrivé à la fin, on vient chercher au plus près de l'assemblage en colure pour effectuer le dernier point. On laisse entre 0,1 mm et 1,5 mm en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Point d'arrêt à la fin. Reste la partie devant du col à assembler. On s'aide d'une épingle afin d'être sûr que les deux derniers points des coutures en colure arrivent bien au même niveau. Puis, on épingle pour fixer l'encolure devant avec le devant. Comme précédemment, on va venir effectuer le premier point au plus près de la couture en colure, sans pour autant être dans le dernier point. On laisse entre 1 demi-millimètre ou 1,5 mm en fonction de l'épaisseur du tissu. Point d'arrêt, début et fin de couture. On assemble à 1 cm du bord. On vient ensuite dégarnir les angles en laissant 2 mm, pas plus, pas moins, au niveau de l'angle. On n'oublie pas de cranter. Pour le petit rappel, dès qu'une ligne n'est pas droite, on crante après assemblage. En courbe creuse, on crante en coupant 5 mm, pas plus, pas moins. Et sur courbe ronde, on enlève de la matière.
en découpant tout le long des petits rectangles de hauteur, 5 mm, pas plus, pas moins. On retourne les angles, on peut s'aider d'une épingle pour bien les faire ressortir, puis on roule les bords afin d'en dessiner le contour. Si vous avez un espace assez grand comme ceci, c'est que vous n'avez pas effectué l'un des deux assemblages, voire les deux assemblages, assez près de l'assemblage en coulure. Dans ce cas, vous pouvez toujours ajouter un petit point machine ou à la main pour corriger. Si ça tiraille, c'est que, à l'inverse, vous n'avez pas laissé assez d'espace. Avec la pratique, on finit par bien jauger et laisser le juste espace nécessaire. Afin de bien maintenir le col, on va venir faire une petite couture de maintien. Pour cela, on va ouvrir les coutures en coulure, au fer à repasser ou à l'ongle. Puis, au milieu dos, on prend les valeurs de couture qui sont tournées vers le dos ensemble. On va les assembler au plus près de la couture. Point d'arrêt, début et fin de couture, on coud sur environ 2 à 4 cm. L'aiguille traverse seulement deux épaisseurs de valeurs de couture. On ne mord pas sur le col. Deuxième façon de monter un col tailleur. Ce n'est pas la bonne méthode car elle rigidifie un peu trop le col, mais je vais quand même vous la présenter en dépannage. C'est-à-dire que si vous avez raté plusieurs fois avec la première façon et que votre tissu commence à être sérieusement abîmé, ou que vous n'y arrivez tout simplement pas avec la méthode traditionnelle et que vous voulez quand même finir votre veste tailleur. Voici la fausse méthode. Comme pour la première, on assemble les épaules à 1 cm et on ouvre les coutures. On positionne endroit contre endroit la partie devant dos avec la partie empiècement devant dos. On épingle les devants jusqu'au cran. On vient ensuite assembler le devant et l'empiècement devant jusqu'au cran. Point d'arrêt, début et fin de couture. On prend ensuite le dessus et le dessous de col, on les épingle ensemble endroit contre endroit. On les coulisse à 1 cm, point d'arrêt, début et fin de couture. On ne démarre pas sa couture 1 cm en retrait, on commence bien dès le bord. On crante, on dégarnit les angles et on retourne. On roule les bords pour bien en faire ressortir le contour. Vous pouvez repasser si ça vous permet d'être plus à l'aise. On vient ensuite effectuer une piqûre de maintien à 3 mm du bord. Pas besoin de point d'arrêt. On va ensuite insérer le col entre le dos devant et l'empiècement dos devant. On aligne tout l'écran milieu, on épingle pour fixer. On fait correspondre le bord du col au cran, le bord touche le dernier point. Attention à ne pas faire de plis, ni à laisser d'espace. On épingle pour fixer. On va ensuite répartir l'embut. Pour ce faire, j'aime m'aider de mon genou. Ça m'aide à bien répartir sans pli. On place des épingles. Vous pouvez épingler directement les quatre épaisseurs ensemble. Attention tout de même à ce que les bords soient bien bord à bord.
on peut aussi épingler en deux fois. Attention aussi à garder les coutures épaules ouvertes, à ne pas les coucher ni vers le dos ni vers le devant. On vérifie qu'aucun pli ne s'est formé et que l'embut est bien réparti. On vient ensuite assembler à la machine. On commence à piquer juste à côté du dernier point, à environ 0,5 mm. Point d'arrêt, début et fin de couture. On assemble à 1 cm du bord. On tâte avec son doigt pour vérifier qu'aucun pli ne se forme. Au début, le surplus de tissu est vers soi. Dès que l'on sent qu'un pli se forme, on dégage le surplus vers l'arrière. On essaie de garder une platitude dans cet angle. On fait de même, on effectue le dernier point juste à côté de la précédente couture. On vérifie qu'aucun pli ne s'est formé sur le col, on découle la partie pliée si nécessaire et on corrige. Avant de retourner, on crante tous ces assemblages. Souvenez-vous, sur courbe creuse, on enlève de la matière. Après un coup de fer à repasser, le tour est joué. Préférez toujours la première méthode, et puis surtout, entraînez-vous. Une veste tailleur passera tout crème après cet exercice, ou du moins, la partie colle. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires vidéo. Je rappelle qu'il n'y a pas de questions bêtes, alors allez-y. Et puis si la vidéo vous a plu, partagez-la. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao !